Cette vidéo contient du spoil. Moi c'est Light Yagami. Je suis beaucoup l'intelligent, mais qu'est-ce que je m'emmerde. Oh tiens, un cahier. La personne meurt quand on inscrit son nom dedans. Salut, je suis Ryuk, un dieu de la mort, et ce cahier est à moi. Tu veux que je te le rende? Non, je t'en prie, continue de tuer des gens. Pas de problème. 70 criminels sont morts d'une crise cardiaque sur une courte période de temps. J'aurais donc conclu que c'était une coïncidence. Messieurs, vous êtes extrêmement cons. Et j'ai un plan. Ouais, c'est Lindsay L. Taylor. Alors Kira, on est un petit peu nés. Ah ouais. Hey, regarde, je te fais des doigts. Et Kira, le petit pédé. Je ne pensais pas que tu tomberais si facilement dans mon piège, Kira. Et en plus, maintenant, je sais dans quelle ville tu es. Grosse merde. Alors les gars, j'ai un indice. J'ai travaillé toute la nuit et j'en ai conclu que comme Kira tue des gens, c'est un meurtrier. J'ai deviné que Kira est un étudiant et qu'il a accès aux informations de la police. Comment vous avez fait ça? Eh bien, en fait, c'est très simple. J'ai deviné qu'il a... Dis-moi, Light, c'est quoi tes motivations? Je veux créer un monde sans criminels où je serai considéré comme un dieu. Ah ouais, carrément, et t'aurais pas pu juste vouloir te branler comme n'importe quel ado de ton âge? C'est pas pour t'aider, Light, mais j'ai l'impression qu'on est suivi par un personnage secondaire. Je déteste les personnages secondaires. Mes chers collègues, l'heure est grave. Kira arrive à tuer sans jamais laisser de traces. Nous devons capturer ce monstre sanguinaire. Nous n'arrivons pas à savoir de quelle manière il ôte la vie de ses cibles. Mais une chose est sûre, nous ne le laisserons pas faire longtemps. Ah, et un agent du FBI a été retrouvé mort. Ce qui veut dire que Kira n'a plus de scrupules à tuer des innocents. Qui est avec moi? Bande de fiottes. Je suis elle. Damn, regardez-moi ces cernes, on pourrait y faire cuire des steaks. Je suis la femme du personnage secondaire et j'ai des infos capitales à donner à la police. J'ai dit j'aime pas les personnages secondaires. Merde. N'empêche, qu'est-ce que j'aime ma famille? Je vais mettre des caméras chez vous. Vous allez mettre des caméras chez moi? Oui. Car je soupçonne votre famille. Vous soupçonnez ma famille? Oui, c'est ce que je viens de dire. C'est ce que vous venez de dire? Vous pouvez arrêter de paraphraser ce que je dis. Pardon, oui, j'arrête de paraphraser ce que vous dites. Ils ont fait mettre des caméras de surveillance dans ma chambre. Je ne vais plus pouvoir tuer des criminels. Et ça fait 2 semaines que je ne me suis pas masturbé. Ryuk, tu vas devoir m'aider. Tu sais bien que je ne prends pas parti, Light. Si tu ne m'aides pas, j'arrête de tuer des gens. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Si tu ne m'aides pas, je ne te donnerai plus de pommes. Il y a très exactement 64 caméras dans ta chambre. Bon, eh bien, je vais devoir être naturel. Je vais manger une chips. Un homme qui aime les chips ne peut être qu'innocent. Ça se tient. Et voilà la période des examens. Waouh, je savais pas qu'ils acceptaient des junkies anorexiques à l'université. Bonjour à tous, je suis Light Yagami et je suis extrêmement beau. Dis, faut que je te dise. En réalité, je suis elle. Ah, waouh, tu pourrais mettre des chaussures, s'il te plaît? As-tu une idée de comment développer notre relation, Yagami? Je te défie au tennis et nous ferons un concours de monologue. Je suppose grandement que Light Yagami est mais il a l'air assez gentil de lui faire ses propres couilles. Ils ont l'air d'avoir passé un sacré bon moment ensemble. Une intuition me fait dire que ce n'est pas le vrai Kira. Ce serait donc un faux Kira? Oui, ou alors un deuxième. Un deuxième? Oui, c'est ce que je viens de dire. C'est ce que vous venez de dire? Oui, c'est ce que je viens de dire! Le deuxième Kira nous a laissé une cassette avec un message codé. J'aime beaucoup les pommes. Mauvaise cassette. Je pense que vous n'avez pas l'œil, kiss kiss. Mon expertise me fait dire que si Kira n'a pas d'œil, c'est qu'il est aveugle. C'est un message codé. On doit le déchiffrer. Intéressant. Un nouveau possesseur de Death Note qui partage mes idées. J'espère qu'il sera à la hauteur de mes attentes. Salut, salut! On se connaît? Je suis une grande fan, tu me fais un autographe? Bah, si tu veux. Oh, et accessoirement... je suis Kira! Tu veux dire la greluche qui s'est faite passer pour moi? Oui. Sympa, ça. Et je veux être ton esclave. Sexuel? Aussi. L'amour ne m'intéresse pas. Je ne vis que pour mon devoir de purifier ce... J'ai aussi les yeux de dieu de la mort. Épouse-moi. Coucou les filles! En fait, j'ai réfléchi. Et je pense que Kira, bah, il veut pas qu'on se voit. Et je dis pas ça parce qu'il me l'a demandé, hein. Je pense qu'elle dit ça parce que Kira lui a demandé. Watari, je soupçonne Misa Amane d'être le deuxième Kira. Séquestrez-la. Elle, on en a déjà parlé. On ne séquestre pas les gens. Oui, mais elle est bonne.
Je sens que je vais craquer. Je renonce à mon droit de possession sur le Death Note. Missa, si tu fais ça, tu vas... Oui, je sais. Missa a... Un sacré boule. Tout oublié. Comment ça? Un humain qui renonce à son droit de possession sur le Death Note perd la mémoire. Sérieux? Bon plan, ça. Ce serait quand même étonnant que ça serve pour la suite du scénar. Ryuk, si je me mets à faire un monologue beaucoup trop dramatique, ça signifiera que je renie mon droit de possession sur le Death Note. C'est noté. Elle, Matsuda, les gars. Je suis Kira! Enfin, je crois. Attends, Light. T'essayes vraiment de me faire croire que tu serais Kira sans le savoir? Oui, séquestre-moi. Bon, bah... Ok. Bon, cette détention ne devrait pas s'éterniser. Bon, très bien, ça durait plus longtemps que prévu, mais au moins elle devrait commencer à avoir des doutes quant à ma culpabilité. Mais si je renonçais à mon droit de possession sur le Death Note, et que ma mémoire venait à disparaître, mon comportement m'innocenterait. Non, ce n'est pas encore l'heure, je dois encore attendre de voir comment elle va réagir. Ah, un monologue. Hein? Non, non, Ryuk, je voulais pas dire ça! A plus, enculé! Kira est vraiment méchant. Vous voyez, j'avais raison, Light est gentil. Tu partages mes idées. Travaille avec moi. Pourquoi tu nous as menottés l'un à l'autre? Kira continue d'œuvrer à travers ce groupe? En effet. Nous devons agir avec la plus grande discrétion afin de savoir lequel d'entre eux est Kira. Il ne faut en aucun cas se jeter dans la gueule du... Salut! Je suis de la police! Matsuda, qu'est-ce que tu branles? Je vends de la crème. Ça vous dirait d'avoir la police? Alors, des nouvelles de Matsuda? Oh, il fait connaissance. Je ne sais pas comment savoir lequel d'entre eux est Kira. Au fait, je suis la deuxième Kira et j'aime tellement Kira que si Kira se présentait à moi, j'hésiterais pas une seconde pour lui sucer la bite. Eh bien, suce-moi, car je suis Kira. Voilà! Attends, t'étais pas conne pendant tout le reste de l'intrigue? Kiyosuke Higuchi, vous êtes en état d'arrestation! À quoi donc peut servir ce cahier? Oh, un cahier! Est-ce que ça va, Light? Il est bizarre, il fait ça depuis 3 jours. J'ai recouvré la mémoire et j'ai à nouveau perdu la moitié de mon espérance de vie. Te rencontrer était vraiment la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Il faut que tu tues des criminels. Oui, Light. Je ferai ce que tu veux. On est à plus de 2/3 de l'animé. C'est le moment de faire mon coming out. Quoi? Toi aussi? Les meurtres ont repris. Kira serait toujours en liberté? Oui, mais nous allons poursuivre et attraper cette petite pute. Pute. Il a dit que Missa était une petite pute. Ah, pourquoi Rem meurt là? Parce que c'est le pouvoir de l'amour! De l'amour! Je suis elle en moins bien. Eh, hey, c'est moi elle en moins bien! T'as vraiment aucune personnalité. Moi au moins j'ai un chara-design original. Non, mais c'est vrai quoi, tu manges du chocolat comme par hasard. Mais quelle petite enculée! Comme ce que mangeait ce diabétique de elle. Puis sérieusement, tu as vu ta coupe? T'es censé être l'un des plus grands génies de ce monde et t'es même pas foutu de savoir te coiffer. Sérieux? Ta mère, la grosse truite, a chié par le cul! Mélo! Tu as des problèmes. Puisque c'est comme ça, je reviendrai dans 5 ans. Je kidnapperai un préfet japonais. Il mourra. Du coup, je kidnapperai la fille du chef de la police japonaise. Que j'utiliserai comme monnaie d'échange pour récupérer le Death Note. Que j'enverrai dans ma base, dans un putain de missile guidé. T'as toujours été dans l'excès. Pas du tout. Puisque c'est comme ça, je buterai toute ton équipe avec le cahier. Ok, Mélo, très bien. Puisque c'est comme ça, je capturerai Kira avant toi. Et qui rira bien, qui rira le dernier. Ça sonnait mieux dans ma tête. L, je suis N. Collaborons pour choper M. Sérieux, même vos noms, c'est L en moins bien. Très bien, moi c'est Nir, et lui, Mélo. Ouais bon, vous êtes des 2000 en même temps. Light, on a reçu ce joli cahier noir. C'est un Death Note. Je vais faire l'échange des yeux et trouver le nom de ce Mélo. Il m'a bien niqué. Papa, je suis Kira, alors bute-le! Qu'est-ce que tu dis, Light? Je veux dire, venge-toi! Non, démerde-toi. Mais t'as servi à rien! Nir, je viens récupérer la seule photo que tu as de moi. Il est vraiment réussi, ton cosplay de Jean-Luc Reichmann. Je suis gros et capitaliste! Dans ce bâtiment se cache un ennemi de notre seigneur et maître Kira! Rien ne nous arrêtera! Agent Rester, je ne sais que faire des millions de dollars de L. Jetez-les par la fenêtre. Oui, je veux le dire, rien ne nous arrête. Oh mon Dieu, des pognons! Oh, un message, c'est Light! Tu
servira plus à rien dans l'intrigue, envoie le cahier au prochain personnage secondaire important. Son nom est... Terumi Kami était un garçon qui, mieux encore qu'un adulte, pouvait discerner le bien du mal et avait un sens aigu de la justice. Du coup, il tue des gens. Un kill, doublé, triplé, quadruplé, pentakill. Nir, j'ai repéré Kira. Comment ça? Comment voyez-vous qu'il est Kira? Il a un Kira design travaillé, une tête de méchant et surtout, il a un cahier noir. Voilà des preuves irréfutables. Nir, j'ai des images intéressantes de cet homme. Son nom est Terumi Kami. Il parle seul sur un banc. Très bien, Mister Rester. Examinez ce qu'il dit. J'adore les saucisses de Strasbourg avec un peu de sauce béchamel. Bon, ok, je sais pas vraiment lire sur les lèvres. Elle, il est temps que l'arc le moins intéressant du manga se termine. Je suis d'accord, Nir. Vous voilà, Nir. Notre lutte s'achève enfin. C'est fini, Yagami. Ou devrais-je dire Kira? Qu'est-ce qu'on attend? L'arrivée d'un personnage secondaire. Mais vous savez bien que je hais les personnages secondaires. Mon Dieu, vous me détestez! Pourquoi? Merde. Et voilà, j'ai gagné. Non, c'est impossible! J'avais pourtant deviné que tu devinerais que je devinerais que tu allais deviner en devinant que tu allais deviner que j'avais deviné! C'est vrai. Mais tu ne pouvais pas prévoir que je prévoirais tes prévisions en prévoyant que je prévoirais que tu prévoirais qu'il prévoirait. On peut faire comme si de rien n'était. Allez les gars, c'est une affaire classée. À qui je paye une bière? C'est toi qui as perdu, Light. On aura passé de bons moments ensemble. La fois où tu as battu ce clochard à mort avec un parpaing, ou encore quand tu as noyé ce chaton dans une flaque d'eau. T'étais un petit gars formidable. Light Yagami. Y a bien un seul M à Yagami. Oui, pourquoi? Ça y est, on l'a fait. 130 heures de boulot, Victor. Dormir. Je veux dormir. Vous tuez toute ma famille. Je sais pas. Bref, petite annonce. On a décidé de faire une vidéo dans laquelle on répondra à toutes vos questions. Et on vous y parlera du Tipeee. Oui, il est là. L'argent... Bref, posez-nous vos questions dans les commentaires en mettant le hashtag AskRetake. On sélectionnera vos meilleures questions et on y répondra. Bref, on vous laisse le temps de réfléchir et sur ce... À la prochaine.